Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va se poser la question suivante, est-ce que les LR de la seconde partie méritent nos DS? Est-ce qu'on pack ou est-ce qu'on craque? Telle est la question. On va revenir sur leur kit. Alors, pour les personnes qui auraient raté la révélation de leurs animations qui sont incroyables, magnifiques, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à leur kit, leur passif, attaque spé, compétences leader, etc. On va voir comment ils se placent dans la méta actuelle, hein, la fameuse méta 400%. On a aussi le nouveau endgame, hein, je rappelle la red zone, qui est quand même très 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 difficile. En dehors de la méta 400%, c'est quand même très galère. Du coup, voilà, on va en parler. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Les amis, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Et puis, petit rappel, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pas mal d'économies en achetant vos jeux sur le site Instant Gaming. Le lien se trouve également dans la description. Actuellement, enfin, dans ce mois-ci, il y a pas mal de gros jeux qui sortent. Hein, comme j'ai dit, il y a Dying Light, Elden Ring et bien d'autres. Et donc, voilà, n'hésitez pas donc à acheter vos jeux en passant par ce site. À chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Alors merci beaucoup également à Gorège pour les traductions. Donc on va commencer par le nouveau Vegeta LR Ozaru. Il y a deux catégories, inhumain et géant. Malheureusement, comme tu peux le lire, c'est ki plus 4 et 150% de stats. Donc, pas de méta 400%. Donc là, on fait un pas en avant avec les LR des 7 ans. Et pour la seconde partie, on fait un pas en arrière. L'attaque spé. La première attaque spé, il augmente son attaque pendant un tour. La seconde spé, dégâts carnage. Intéressant. Ça fait un peu passer à Majin Vegeta. La première spé, c'est une attaque mono-cible. Et la spé ultime, c'est une attaque carnage. À première vue, la première attaque spé fera plus de dégâts. Le passif. Le passif. Réalise une entrée une seule fois, il gagne ki plus 3 et attaque plus 60% jusqu'à la fin pour le reste du combat si il y a un ennemi qui s'appelle Goku en face. Bah Goku Rush c'est réglé, hein. Les deux Goku Rush c'est réglé. Pour l'event saga de Namek, lorsqu'on affronte Goku pour la dernière phase, ça peut être aussi réglé. Super Extreme Battle Rod, de temps en temps il y a des Goku qui pop. Après, bon voilà, ça proc pas constamment. Ça aurait été plus intéressant si voilà, si ça concernait des Saiyan purs. Enfin bref, ki plus 3, attaque plus 100%, gagne encore attaque et def plus 60% quand il part en spé, gagne encore défense plus 60% quand il part en spé ultime. Donc là, il gagne la def en partant avec la spé ultime. Donc comme tu peux le voir, la première spé me paraît plus intéressante offensivement. Attaque mono-cible. L'aspect ultime te permettra de gagner de la défense. Voilà. Et de faire une attaque carnage. Garde activée. Ça, c'est très très fort. Garde activée contre toutes les attaques. Et gagne encore ki plus 3, attaque plus 30% durant le tour à partir du moment où la garde est activée. Sur le papier, ce Vegeta, il a totalement sa place dans la méta actuelle qui est quand même très difficile. Enfin, dans la méta, dans le sens où le nouveau endgame, c'est un peu le nouveau challenge. Souvent, c'est le début d'une continuité dans la difficulté. Et donc, la garde activée, c'est quand même très utile. Carnage, évidemment, pour la red zone, ça peut être pas mal parce qu'il y a 2-3 phases où il y a plusieurs ennemis. Donc voilà, à première vue, il m'a l'air bien tanky, bien solide. Donc voilà, franchement, pour le moment, le Vegeta m'intéresse fortement. Ce n'est pas tout, saute ensemble en géant quand les PV sont sous la barre des 40%. Et une fois en géant, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est deux attaques mono-cibles. Et puis il gagne ki plus 5. Ça c'est pas mal, il gagne ki plus 5. Alors je sais pas si on voit. Non. Il gagne ki plus 5 dès le début. Donc pour partir en spé ultime, ça va être relativement simple. Donc ça c'est cool. Voilà, ki plus 5. Et les deux attaques spé, bon voilà, c'est il n'y a rien de particulier dans le sens où il y a un boost d'attaque pour l'aspect ultime. Donc voilà, un kit très intéressant. Pour l'instant, comme j'ai dit, voilà, Vegeta m'intéresse fortement. Le truc, c'est que
tu peux le jouer sans l'avoir. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux Vegeta? Après, ça permet de tirer la catégorie géant vers le haut. Et Inuma également. Inuma, je crois qu'il leur manquait un vrai lead. Donc, on n'aurait pas le début d'un vrai lead, là. Pour la première fois, un vrai lead. On enchaîne, les amis, avec le Goku Kaioken. Alors, il lead deux catégories. Également deux catégories qu'on connaît. Le tout pour le tout et le dernier atout, je crois. 150% et qui plus 4. La première attaque SP, il gagne attaque pendant un tour. La SP ultime, il gagne 100% de stats pendant un tour. Dégâts méga costauds. Et on perd 4% de nos PV. Le passif réalise une entrée. Il gagne ki plus 3 et attaque plus 70% jusqu'à la fin du combat si il y a un ennemi qui s'appelle Vegeta. Vegeta Rush, bon bah c'est réglé. Après, il y a 2-3 Vegeta qui pop dans le super Super Extreme Battle Road. Mais il y a quand même moins des Vegeta dans le jeu. Comparé à Goku. Ensuite, attaque à plus 100%. Il gagne encore ki plus 7 pendant 7 tours à partir de la première apparition. Plus encore attaque et plus 50% quand il part en super attaque. Gagne 59% d'attaque en plus quand il part en spé ultime. Alors c'est marrant, la spé ultime est moins intéressante défensivement. Enfin, dans ce cas-là. On perd un peu de stats. Créer des ki rouges à partir d'un type de sphère de ki et 50% de chance de crit. Offensivement, il est monstrueux. En fait, encore une fois, Vegeta Goku, c'est souvent la même chose. Goku sera très souvent orienté dégâts, alors que Vegeta sera très souvent orienté tankiness. Là, le Goku est très, très, très puissant. Franchement, l'aspect ultime avec un multiplicateur en x100, là, 100% de stats ici. Bon, par contre, tu perds 4% de tes PV. Si tu arrives à activer, en fait, si tu arrives à activer tout le passif, ça risque d'être monstrueux. Et en plus, il s'auto-suffit en termes de ki, il crée des ki rouges. Pas grand chose à dire. Après, le ki supplémentaire, ici, là, ça ne dure que 7 tours. Après, bon, si tu arrives à déjà activer le ki plus 3 ici. En vrai, si tu ouais, à part ce ki plus 3 ici et ce ki plus 7 ici, il n'y a pas d'autres ki. Ok. Après, il crée des ki rouges. Il a vitesse époustouflante, combat décisif et briser la limite en lien. Donc, c'est. Voilà, il y a quand même 2-3 solutions pour gagner du ki. L'active skill peut être activé quand les PV sont sous la barre des 59%. C'est une attaque qui fait dégâts ultimate et qui stun l'adversaire. Donc voilà, c'est une attaque combinée. Donc à première vue, monstrueux en termes de dégâts. Défensivement, bah évidemment moins intéressant parce qu'il n'a pas la garde activée. Mais il a quand même des stats. Il y a quand même 100% ici. 50% ici quand il part en SP avec la première SP. Et puis quand il part en SP, il gagne de la défense, donc 30% à la première SP et 100% pour la deuxième SP. Donc c'est pas dégueu. Malheureusement, encore une fois, c'est deux catégories qu'on connaît, plus il donne que 150% de stats. C'est un peu dommage. Maintenant, est-ce que cette carte pourra plier le endgame? J'ai un doute, parce que le endgame font très très mal. Je veux dire, si t'as pas 900 000 de défense, non, si t'as pas 600 000 de défense, t'es potentiellement une cible qui peut se faire presque one shot, tu vois. Donc, après, offensivement, il est monstrueux. Mais est-ce qu'il est plus monstrueux que les RD 7 ans de la première partie? Là, très honnêtement, hein, là, il n'y a pas photo. Entre les LR, SCJ God et SCJ 4, il y a un fossé qui les sépare. Les SCJ God et SCJ 4, ils font tellement de dégâts. Ils stackent à l'infini. Acti skill monstrueux qui s'active bon, assez facilement. Bon, là aussi, s'active assez facilement. Hein. Faut juste que les PV sont sous la barre des 59%. Donc voilà. Le truc, c'est que en mars, il y a quoi? En mars, il y a la Sign Day. Et en avril, il y a la sortie du film. Et il y a moyen qu'ils nous sortent des dingueries à ce moment-là. Donc voilà, moi je trouve que les deux LR de la seconde partie sont sympas, mais c'est pas game breaker quoi. C'est pas game breaker. Ça va pas forcément nous aider pour la red zone. Peut-être Vegeta est plus intéressant parce que la garde activée, Carnage aussi. Il peut être utile pour certains red zones lorsqu'il y a plusieurs cibles, mais sinon.
Ils ont pas de mécanique d'annulation, d'attaque spé. Ils ont rien de particulier. Enfin, je veux dire, leur kit, on connaît déjà. Enfin, il y a rien de nouveau. Garde activée. des stats supplémentaires en fonction de certaines situations, quand il peut en spé, etc. Je veux dire, il n'y a pas l'annulation d'une attaque, il n'a pas l'annulation d'attaque spé, etc. Il n'a pas une mécanique de Fukatsu. Donc, en fait, en vrai, ce sont des unités qui n'ont rien de particulier, mais qui sont bien. Une belle animation, très joli kit. Mais, par exemple, la question, c'est est-ce que Janemba... Enfin, tu as 500 pièces jaunes, tu achètes qui ? T'achètes Goku Kaioken, Vegeta ou Janemba? Ah, la question mérite d'être posée. Hein. Janemba, il a aussi la garde activée. Janemba, il peut annuler les attaques spé Blast. Et puis, en termes de kit, il est quand même relativement solide. Vegeta et Goku de Arc Saiyan, ils ont des stats supplémentaires en fonction de certaines situations. Donc ça, c'est chiant. Donc ça, c'est voilà, une petite restriction qui est un peu pénible. Mais sinon, en vrai, ce sont des très bonnes cartes. Mais ce sont pas des cartes, ils valent pas les SJK des 7 ans. Enfin, les duos LR des 7 ans. De la première partie. Voilà. Ils valent pas ça du tout. Clairement, c'est pas le même game, quoi. Mais ce sont des très bonnes cartes. Et encore une fois, il y a la Saint Day qui arrive, en mars. Et puis, le film, peut-être qu'on aura une dinguerie, hein. Peut-être que Gohan aura une nouvelle transformation et nous sort directement la nouvelle carte sur la version japonaise. C'est ce qu'ils avaient fait pour le film Broly, hein. Eh, ils ont pas attendu, hein. Dès que le film était sorti, on avait droit à un double Dragon Fest. Peut-être on aura aussi un nouveau Broly, hein. Un Broly DBS avec la sortie du film. Alors, rapidement, le Vegeta Ozaru. En fait, on a aussi ce Vegeta Ozaru. La question, c'est quand est-ce qu'on aura ce Ozaru ZTUR? Parce que sur la version japonaise, on l'a toujours pas, en fait. C'est une exclusivité globale. Du coup, lorsqu'il va sortir, est-ce qu'il sera pas déjà daté? C'est la question. Parce que les deux Vegeta portent le même nom. Vegeta entre parenthèses géant. Donc c'est un peu con quand même, je viens de te dire. Parce que quand ils vont sortir son ZTR, tu veux dire ouais mais OZEF quoi. OZEF tiers. D'ailleurs pourquoi avoir fait une exclusivité globale? Je comprends même pas en fait. C'est sorti en octobre en plus, hein. Ça fait déjà 4 mois qu'on attend. Mais là si ça sort maintenant, ce sera trop tard. Ils portent le même nom. Voilà. On pourra pas activer leur lien. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez invoqué ou pas. Évidemment, il faut avoir quelques multi, mais on va pas faire un gros lean, hein. On va pas faire un all-in comme les LR des 7 ans, comme le Gogeta et SJ4, hein. Clairement, on va pas faire le même all-in. On va faire quelques multi, voilà, histoire de tenter de choper un des deux. Enfin, j'ai une préférence pour Vegeta, évidemment. Vegeta me paraît beaucoup plus intéressant, même si Goku est pas dégueu, hein. Après, encore une fois, même si on les a pas, on peut les jouer, en fait, vu que les catégories qu'ils proposent existent déjà. Donc voilà, dites-moi tout, les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.